Connaissez-vous l'histoire du Hollandais volant? Oui, vous avez déjà peut-être entendu la légende comme ça, mais la vraie histoire, ben je vous propose de vous la raconter. Je n'étais encore qu'un jeune chenapan de matelot quand je m'embauchais à Amsterdam sur le trois-mâts du capitaine Van der Decken, le Hollandais volant. Il faisait un temps du diable sur le port, pluie glaciale et vent de tempête. Mais le bateau, qui devait faire voile vers les Indes orientales, était solide. Et le capitaine, de l'avis de tous, était un marin expérimenté, bien que dépourvu de la moindre trace de sentiment et qui ne craignait ni Dieu ni diable. Ses commanditaires n'avaient jamais eu à se plaindre de lui, et le commerce entre les Pays-Bas et les Indes allait bon train grâce à lui. Chaque jour gagné se matérialisait par des florins venant s'accumuler dans sa cassette. Juste avant le départ, le capitaine rassembla ses hommes sur le pont et monta à la dunette. La main sur son sabre, il balaya d'un long regard implacable son équipage. La pluie diluvienne n'avait pas l'air de le gêner. Tandis que nous courbions tous les épaules sous les rafales, les cheveux dégoulinants. Le capitaine mit ses mains aux hanches et beugla sans préavis. « Vous verrez ça. Quand nous croiserons vers le cap de Bonne-Espérance, vous verrez alors ce que c'est que la pluie et la tempête. Et n'allez pas vous aviser de vous plaindre ou je vous jette au requin. Je veux de la discipline, que ça vous plaise ou non. Compris ? Maintenant, chacun à son poste. On remonte l'ancre. » Le maître d'équipage relaya ses ordres à coups de sifflet. Des immenses voiles carrées se déployèrent. Nous étions partis. Mais pas encore arrivés, loin de là. Nous faisions route vers le sud pour contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, quand survint pire que les pires tempêtes tropicales. Le calme plat, sous un soleil de plomb, pas un souffle de vent, pas le moindre frisalte sur les eaux. La voilure pendait lamentablement, les vivres commencèrent à moisir, l'eau à se gâter. Les hommes s'ennuyaient et se querellaient pour rien. Les premiers cas de scorbut firent leur apparition. De temps à autre, nous parvenions pourtant à nous traîner sur quelques miles, puis de nouveau, ce calme mortel sous ce soleil blanc. Au bout de quelques jours, le capitaine ne parvint plus à contrôler sa rage. Il dressa son poing contre le ciel impitoyablement bleu et immobile et se mit à insulter Dieu à pleine voix, à le maudire pour le manque de vent et pour l'argent qu'il perdait à chaque jour qu'il passait. « Le diable ferait sûrement mieux que toi » rugit-il. Et s'il me donne enfin du vent, le plus fort qu'il puisse faire souffler, c'est bien volontiers que je lui laisserai mon âme, et celle des marins en prime, s'il les veut. Comme le ciel n'attendait que cela, une petite brise commença à gonfler les voiles. Le navire reprit vie et frémit. Le vent augmenta et le Hollandais volant s'arracha aux vagues pour filer merveilleusement, vite, à la surface des flots. « J'ai bien été bête !» se dit Van der Decken. « J'aurais dû y penser bien plus tôt. » Quoi qu'il en soit, je crois que nous allons pouvoir rattraper notre retard. Mais au large du cap, le vent forcit encore et tourna en tempête, puis en ouragan. Le capitaine envoya dans les haubans des matelots terrifiés qui hurlaient de peur en accomplissant les manœuvres. Bien en vain d'ailleurs, car il était devenu impossible de manœuvrer. Le Hollandais volant dansait sur les flots comme un bouchon, son pont balayé par des paquets de mer. Je vis plusieurs de mes camarades être emporté en mer ou tombé de la mâture. Des ténèbres traversées d'éclairs enveloppèrent le bateau. Au bruit de la tempête répondaient les cris d'effroi de l'équipage. Et je n'étais pas le dernier à réclamer la pitié. Le capitaine, ne désarmant pas, tendit de nouveau son poing vers le ciel en ordonnant au diable de cesser son petit jeu. Mais en vain. Au contraire, il se dessina sur les nuées une immense forme spectrale qui gronda. « Retire tes paroles, Van der Decken. Demande à Dieu sa grâce et son pardon. Repends-toi, repends-toi, et tes marins et toi n'auraient pas à porter éternellement le poids de ce blasphème. « Moi, ne repentir jamais !» beugla le capitaine, furieux de l'ultimatum. « Et je le prouve !» Il saisit son pistolet et tira sur le messager. Il n'a réussi qu'à faire exploser son arme dans sa main. Les marins survivants le supplièrent. « Acceptez, capitaine. Tant pis pour la prime. Pitié pour nous !» Peine perdue. Il n'était pas né celui qui ferait céder Van der Decken.
Pour pouvoir continuer à diriger la manœuvre, sans être emporté, il nous ordonna de l'attacher au mât. Quoi qu'il fasse, le Hollandais volant était toujours au cœur d'un incessant ouragan de fureur et de vacarme. Voilà 3 siècles qu'il en est ainsi, et que notre navire sillonne les océans sans jamais trouver repos. Il paraît que lors des nuits de tempête, on peut l'apercevoir avec ses voiles rouges en lambeaux et ses marins décharnés, immortels, et maintenant 317 ans. On nous autorise à faire relâche dans un grand port, abrité un jour tous les 7 ans. Il paraît que si une jeune fille accepte de se fiancer au capitaine et de lui rester fidèle pendant 7 ans, la malédiction sera levée. Notre capitaine s'en moque, il passe sa journée dans un tripot. Il joue au dé pour embaucher. Nous ne perdons pas notre temps à jouer pour nous saouler aux tavernes ce jour-là. Nous cherchons une fiancée pour notre capitaine. Et en 300 ans, nous ne l'avons jamais trouvée.